ici, nous sommes au marché à bétail de Guéman à Parakou. À moins de 24 heures de la Tabaski, communément appelée fête de moutons, le marché reste timidement fréquenté par les populations. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas l'influence ici. Parce que cette année, je vois qu'il y a moins de moutons. Malgré ça, les achats, c'est un peu rare. Puisque les gens se disent qu'il n'y a pas l'argent. Sinon, l'année passée, les moutons étaient plus... L'année passée, ici, là, c'était bien équipé. Il y avait beaucoup de gens, et beaucoup de moutons, de clients, et le marché coulait normalement. Mais cette année, on a pensé pour que ça donne plus que l'année passée. Mais cette année-là, ça n'a pas donné comme l'année passée. Face à cette situation qui laisse perplexe les vendeurs de bétail, une explication tente d'être donnée. Les achats, c'est un peu rare, puisque les gens se disent qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Bon. Dans le rang des acheteurs, ils peinent à se procurer un mouton, vu la hausse du prix du bétail. Les moutons là, on ne sait pas si nous tous on pourra payer mouton pour faire la tabaski. Ah, c'est cher. Les prix commencent de bas âge là, disons 50, 60, 70, jusqu'à 400. Non, il y a deux noms. Adama nya nuwa o gobia enwa be ba ne brukina ndi habi mara be hangema hambi wa be ha mara ho ganya no ho due olai bantume a guraya dira ba hanye nya ni nuwa be hankpara ko ne no menne meni ama ba nu nya ro ngobi sunwa olai ka wonu ko sankira wonti. Vivement que chacun a son mouton afin que la célébration soit belle. Bonne fête à toute la communauté musulmane.